L'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose est un état de relaxation qui se situe juste avant le sommeil. Et c'est là que tout est possible. Un groupe de personnes venant spontanément sur scène. Et quand ma main se ferme, vos yeux se ferment. S'endormir les uns après les autres. Et vous repartez encore plus profondément. Afin de vivre une expérience hors du commun qui les portera aux frontières de leur inconscient. Et vous, très bon ? Hypnose, dormir, sommeil profond. Merci d'être avec moi, Bruno. Regardez, vous allez regarder votre main. Regardez votre main, comme ça, vous fixez un point, comme ça. Et quand ma main s'approchera de votre visage, vous allez vous laisser aller. Laissez-vous aller. Et vous dormez. Voilà. Non, sérieusement, tu te fous pas de ma gueule, t'es payé ou bien? Non. Alors dis la vérité, qu'est-ce que ça t'a fait? Il vous sera totalement impossible de mettre une veste. Car vous ne saurez plus comment mettre une veste. Vous faites un oui de la tête, si vous avez compris. Et essayez d'enfiler cette chose. Levez-vous. Comment ça se met? Vous ne savez pas. Plus vous cherchez, moins vous trouvez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et perdre tout sens de la réalité. Essayez de mettre cette chose. Vous savez la porter ou comment ça se porte? Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que t'as ressenti? Franchement, je peux te dire qu'au début j'étais sceptique quand même. Je savais pas quoi attendre. C'était un peu bizarre. Au moment où cette veste tombera, vous allez retomber en hypnose. Fixez cette veste. Et sur le compte de trois, vous allez vous laisser aller sur votre chaise. 1, 2, 3. Et vous tombez. Quand des moments vous êtes ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Franchement, il y a rien. Non, je réfléchis à rien. Je pensais à rien. Je l'entendais bizarre, juste. Hein. Non, c'est bizarre, je te promets, c'est trop bizarre. Je l'entends seulement. Mais je promets que. C'est comme je t'ai dit, j'avais déjà vu. C'est des conneries, mais. C'est moi pas toujours, tout à fait. Quand je vois la télé, je dis que c'était des conneries. Ouais, justement, on dit. Mais là. Bah, c'est difficile à croire, mais quand même. Hein. C'est vrai que. Et vous glissez sur votre chaise. Afin de vivre une expérience hors du commun qui les portera aux frontières de leur inconscient. Maintenant, vous êtes sur un cheval et vous concourez pour un prix de 1 million de francs car vous êtes sur la course de Vincennes. Pour 1 million de francs, vous allez devoir enfourcher votre cheval et galoper le plus vite possible. 1, 2, 3, musique et c'est parti. On galope. Du spectacle à l'état pur. Non, on se passe de la crème solaire sur tout le corps. Entre les jambes, on se passe cette crème solaire. On passe la crème solaire, c'est magnifique. Exceptionnel, oui, que c'est bon. Et perdre tout sens de la réalité. Votre tête aussi de droite à gauche. Comme s'il y avait un scotch appuyé dessus. Votre tête aussi de droite à gauche. Elle aussi, toujours plus. Encore et encore et encore. Et il y a un aimant sur le dos de votre main qui va faire que... Et un aimant sur votre front. Votre main va se lever, aller vers votre front. Et vous trouvez ça drôle, ça va vous faire rire. Vous commencez à sourire et vous riez et vous riez. Bien, je trouve que c'est bien, oui. Je trouve que c'est bien. C'est une chose bizarre, c'est difficile d'expliquer, mais c'est bien, je trouve. Continuez, ça vous fait rire. L'eau gazeuse. De l'eau gazeuse. Ok. Impeccable. Quand on était en train de dormir, là, on sentait directement qu'on partait dormir. Dans un instant, cette eau n'aura plus le goût d'eau,
mais de vinaigre, que vous devrez cracher. Ce sera du vinaigre. Ce sera épouvantable, ce sera du vinaigre. Vous devrez cracher ce vinaigre. Cette eau ne sera plus de l'eau, ce sera du vinaigre. Ce sera devenu du vinaigre. Vous faites oui de la tête si vous avez compris. On essayait de contrôler, mais ce n'était pas évident. Ça se relâchait directement. 1, 2, 3. Et c'est du vinaigre, c'est incroyable. Ah! Quel goût ça a, monsieur ? Vinaigre ! Vous êtes sûr ? Sûr ! Phénomène hypnotique inexplicable. Ok, donc sur le compte de trois, on prend ce gaz hilarant, on met ce masque sur sa bouche et on commence à éclater de rire. Attention, 1, 2, 3. Votre corps est secoué de ce pas. C'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle. On rigole, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, donc on est votre dessin animé. Et c'est drôle, c'est drôle. C'est une bonne expérience, quoi. C'est une bonne expérience. C'est un sentiment assez, assez positif, assez, assez quoi. Ça me touchait vraiment profondément dans le mental, quoi. C'était un bon événement, un bon sentiment, quoi. Patrick, attention, Patrick, sur le compte de trois, vous pouvez regarder ce qui va se passer avec Patrick. Vous allez partir encore plus profondément en hypnose, d'accord, Patrick? 1, 2, 3. On se laisse aller. Cette bouteille va devenir légère, très légère. Elle va emporter votre bras vers le ciel. Vous sentez votre bras qui commence à bouger. Cette bouteille est très légère, très légère. Elle monte toujours plus encore. Regardez le phénomène. Elle monte toujours plus encore, encore. Elle est légère. Et maintenant, elle devient lourde, très lourde. Elle va venir se coller à votre genou gauche. Patrick, elle est lourde, très lourde. Cette bouteille est lourde, très lourde, encore plus lourde. Elle est collée. Et maintenant, votre main est collée à la bouteille. Et votre bouteille est collée au genou. Essayez d'enlever la bouteille, elle est collée. Collée, soudée, c'est impossible. Regardez, il essaye. Impossible. Et maintenant, vos pieds sont collés au sol. Et maintenant, votre postérieur est collé à la chaise. Essayez de vous lever. Essayez. C'est impossible. Nous avons là un phénomène d'hypnose. Et à l'intérieur de cette bouteille, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir un génie en sortir. Vous allez voir un génie en sortir. Ouvrez les yeux, regardez, le génie est ici. Le génie devient méchant, il devient agressif. Lancez cette bouteille, le génie vous fait peur, il vous fait peur. Il vous fait peur, lancez cette bouteille, il vous fait peur. Lancez cette bouteille. Mais il se transforme en une colombe que je vous mets sur le doigt. Comme ceci, je vous la mets sur le doigt. Caressez cette colombe. Elle est belle ? Elle est très belle, oui. Elle est très belle. Attention, donnez-moi votre main et laissez-vous aller. On l'applaudit, s'il vous plaît. Chaque mouvement que fera cette poupée, nous le ferons aussi car c'est une poupée vraie. 1, 2, 3, musique. Hypnosourire, un spectacle unique et exceptionnel à découvrir absolument. Je vous attends.